Ok, salut la team, je suis allé bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Antoine attend de filmer. Ouais. Mec, il fait chaud là. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud là? Bah, faut aller se baigner. Non, mais j'ai pas de piscine dehors, comment faire? Et bah, tu t'en reconstruis une, mec. Attends, mais on a pas un bac pour menuiserie tous les deux? Non, moi non, mais toi. Non, ok, je vous explique. C'est la dernière construction avant que je parte en vacances. J'avais peur de la catastrophe, mais là, vu que je suis accompagné d'un professionnel avec moi, Antoine. Qui a un bac pro menuiserie comme moi, on était en menuiserie ensemble, à chaque fois on avait les meilleures notes de la classe tous les deux. Bref, du coup aujourd'hui nous allons fabriquer une piscine. Donc ça va être super simple. Comment je vais procéder? Je n'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais mettre des planches un peu autour. Et je vais, là on va aller à Castorama faire un peu les courses. Et je pense que je vais acheter une bâche bleue. Voilà, c'est tout ce que je pense. Mais Antoine va m'aider, il est très chaud en menuiserie. Donc voilà, donc dès maintenant, dites dans les commentaires à votre avis comment ça va se passer vu que les sondages sont plus disponibles sur YouTube, mais dites-moi comment ça va se passer à votre avis. La piscine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'elle sera bien? Est-ce qu'à la fin on va se baigner dedans ou pas? Petite image de la fin pour voir. Ouais, je suis sûr que c'est bien passé là, en train de faire des longueurs carrément. T'imagines, on peut faire de la brasse frère. Allez, galère rien. Ok, vous avez vu, j'ai changé d'écran. En plus, maintenant, c'est plus des gros cubes en fond d'écran. Parce que, ouais, voilà, maintenant, je suis en couple, les gars, donc c'est peut-être pour ça aussi. Menteur. Attends, c'est le mec. Non, je suis encore célibataire. D'ailleurs, j'ai acheté 5€ sur Tinder hier. Ah putain, au moins c'est dit si jamais vous me croyez sur Tinder. Je suis pas une me taper là. Bref, bon, on arrête de parler. Il est 14h, donc du coup, normalement, c'est une piscine en 24h. Mais là, ça va être plutôt une piscine en 2 heures. Non, 3 heures. Parce que je dois le ramener chez lui après, il faut pas qu'il rentre trop tard. En vrai, on va à Castorama, c'est parti là dessus. Ok, donc je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que Antoine, je dois le ramener à 17h à la gare. Et il est 15h. Donc il nous reste 2 heures pour faire une piscine. Antoine, c'est possible ou pas? Bah ouais, en plus si je t'aide. Ah mais c'est Conforama là, c'est pas Castorama. Castorama c'est là-bas. Oh non, je suis con. Mais une bâche ça doit coûter cher. Je sais pas, on trouve pas les bâches. Là j'ai regardé sur Castorama tout à l'heure, je crois que c'est pas très cher. D'ailleurs je vous présente Antoine, célibataire. C'est Instagram sur Twitch, directement sur lui. C'est un porteur de ouf. C'est un fort. Bah ouais, moi je suis en couple, tu es en couple un peu, tu vois, c'est difficile. Toi t'es en couple toi? Bon après du coup, je vais prendre ça en fait. Ah. Ce que tu viens de dire, ça a bité, mais tellement fort. Donc je pense qu'on a pris du 5 mètres. J'espère vraiment que ça va le faire. Il nous faut des frites pour la piscine. Pour toi. Gros, des frites, c'est important, non? Des frites. Je t'ai rappelé, attends, mais ça va un combat là. Excuse-moi, mais je suis désolé. Bon mec, t'en penses... Non, bonjour, non, oui. T'en penses quoi de... Tu penses que la piscine, elle va réussir ou pas? Franchement. T'en penses quoi là? Non. Quoi non? Ça va pas réussir. Pas réussir. Voilà. Donc là, est-ce que tu penses que dans 2 heures, on va être en train de se baigner? Bah, toi oui, mais moi non. Bon, du coup là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller acheter des... Je pense c'est la meilleure solution, parce que je sais que dans le dépôt de mon père, j'ai déjà tout pris pour toutes les constructions qu'on avait fait. Donc je pense que mec, là, on va aller... À côté de chez moi, il y a un mec qui vend des palettes. On va aller acheter 4 palettes. Par contre, c'est 5€ la palette, il va en avoir pour 20 balles. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que les palettes, vous les jetez ou... On les garde. Ah, vous les gardez? Ouais. Ok, merci. Il les garde. Cette vidéo me fait peur. C'est la merde, ça commence très mal. Une fois qu'on a les palettes, le tour est joué, il n'y a plus qu'à faire. Et se baigner et faire du crawl et tout, genre. Let's go. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous vendiez des palettes. Moi, ouais, j'ai 30 millions. Attends, vas-y, filme, mais ouais, je vais lui demander. Voulez-vous acheter ou vendre? Acheter. C'est possible du coup? Ouais, y a pas de soucis. Cette vidéo part en catastrophe, j'en veux plus. Mec, c'est un scandale, frère. Il me dit quelle palette tu veux et tout. Je lui montre celle-là, je lui dis bah les moins chères et tout, tu vois. Il me dit les 4, je dis 4, 20€. Il me dit ok. Genre, bah sors-les-moi, mec. Il dit ok. Et après, il me dit quoi? Il me dit ouais, tu peux toujours les avoir et tout. Tu dis oui, je dis oui, mais moi je les veux tout de suite, vas-y. Et après, il me sort ok. Et il me regarde comme ça. Ok. Bah, mec, sors-les-moi. Et après, j'ai fait. Il me dit toujours, tu peux venir quand tu veux. J'ai fait ok, merci, au revoir, mec. Je me suis barré et tout. En tout cas, je viens d'avoir un match sur Tinder, ça fait vraiment plaisir. Comme par hasard, mec, regardez mon match Tinder. Si vous avez une piscine, n'hésitez pas à inviter, nous sommes très chill. Donc, bref, on va chez moi, on va voir ce qu'il y a chez moi. Même la vie, il y a putain de sa mère. Bon, est-ce que vous vous souvenez de la cabane que j'avais construite? Oui, c'est bon, vous vous en souvenez? Et bah, écoute, par manque de temps et de nos moyens, on n'a pas réussi à trouver de palette. Là, dans 1 heure, je serai dans la piscine.
La piscine, je vais la construire. Au même endroit. Au même endroit, je serai là, je suis en train de faire de la nage. Bon, elle sera pas très grande, elle sera de là à là. Et franchement, je pourrais faire une petite nage quand même. Je pourrais faire un petit 1. Je pourrais faire deux fois la brasse. Ouais, tu peux faire un nage de chien aussi. Dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous êtes déçu de l'idée ou pas. Mais moi, je pense qu'à vous, Antoine. Il nous reste une heure, les gars. Ouais, une heure, c'est vrai. On a qu'une bâche et ça. Bon, allez, vas-y, du coup, on va aller chercher tout ce qui est visseuse, tronçonneuse, tout ça, tout ça, tout ça. Et on va construire cette piscine. Let's go, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tu es prêt? Ouais, yes. Je suis dégoûté, démotivé, les gars. Mais on va le faire. Allez, let's go. Bon, la team, on ne perd jamais espoir. On s'est parti. Du coup, nous avons pris des petites planches que nous allons mettre tout autour de cette barre de traction pour. T'as pas l'air. Ah, toi là. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? T'es démotivé ou quoi? J'ai déjà énormément la flemme. Bon, en vrai, regarde. Faut pas aller. Faut pas aller. Tiens, prends ça là. J'avoue, je crois que t'es vraiment pas con. En vrai, mec, en ça. Comme ça, là, tu peux faire ta longueur. Mec. C'est quoi? Ça pourra me faire gagner du temps. J'avoue, tout, y'a pas besoin de couper, frère. Mais non, on la met où? On la met genre vraiment, elle est sous l'eau, genre là-haut. Là. Non, on la met là, gros, on la met là, on se met là. On est en mode vraiment full impro, là. Ouais, elle est grande, hein. C'est où? Par contre, les gars, on peut pas faire de trucs dedans, gros. Bah ils sont enfin un trou dedans et la piscine elle fuit. Ouais. Bah je crois que j'ai entendu un truc qui s'est craqué. Mais... Non. Ah si. Pourquoi t'as laissé du bout de bois? Il veut faire une piscine. C'est une blague? Une piscine? Ouais. Bah tu prends. Vas-y, bah prends l'autre bout. J'en ai fait des trucs avec toi, mais ça. C'est ça, mec. La visseuse n'a plus de batterie. Cette vidéo me révolte. Antoine me touche le cul carrément, donc on est vraiment plus. Putain. On fait quoi là? Ah, c'est sérieux, gros? Arrête, gros! Je peux plus respirer. Je vais prendre des lits, c'est comme ça. Pourquoi avec toi à chaque vidéo? C'est la merde. C'est bon la piscine les gars, c'est bon, on est bon là. On tourne chef. Attends, non. Attends, mais y'a un problème gros. Quoi? L'eau elle va sortir par là. Vraiment... Mec, si l'eau elle est trop forte, ça tombe, tout l'eau part. Bah, regarde. Là, c'est en mettant l'eau qu'on verra. C'est l'eau qui va. C'est vraiment la pire phrase du monde. Mais y'a un problème. Là, y'a un problème. Ah, il va rien mouiller. Hein. T'as pas qu'un petit souci? T'as plus de soucis? Vas-y, faut qu'on laisse du mou, frère. Franchement, ouais, grave, comme il a dit. Ensemble, on a fait des tournages. Hein. Même les dominos. On avait fait un parcours de dominos, c'était la catastrophe. Tout était une catastrophe, mais là, vraiment, là, je sais pas si je voyais sur mon visage, mais je suis fatigué du projet, quoi. Je sais même pas comment ça va rendre en vidéo, parce qu'on filme pas trop, du coup, enfin, on filme, mais un peu lointain. Allez, mec, on part au chantier. Allez, mec, on est sur la fin, là. Quel temps, frère? Dans un bateau, genre. Non, c'est pas marrant. Allez, vas-y, vas-y. Je suis en quad. Je me sens pas bien. Je sens plus le poids. Tiens. Mais non. Oh, recule, vas-y. Recule. Je sais pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça va aller 10 fois plus vite, parce que là, sinon, il faut prendre une rallonge. Ouais, vas-y, vas-y. Allez. A few moments later. Oh, mais tu m'as dit qu'il va bien. Alors? J'en peux plus.
Buvez de la Noco, les gars. Y'a pas mieux pour avoir de la force. Grâce à Noco, regardez comment j'ai explosé des biceps. Gros beau. Il y avait une guêpe. Je pense que tu vas... Dernière étape, nous allons sceller cette bâche sur les bouts de bois. T'as pas eu peur? Ok. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Tu peux me le dire? Ouais, de ouf. Ça va tellement vite, par contre le A, ah, faut que... J'ai l'impression que tu filmes comme une bite, non? C'est moi ou c'est mon impression? Mec, la prochaine étape, mec, c'est mettre l'eau là. J'aurais trop dit à mec, j'ai fait ça toute ma vie. Genre, allez, les gars, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons remplir la piscine. Où ton jet d'eau? Attends, d'abord, faut juste prendre un peu d'énergie. Noco? Il n'y a plus. Oh mec, la piscine s'est remplie. T'as plus de moi en train de faire ça, mec, pour la miniature, attends. Les gars, comme ça. Mais pourquoi ça fait de la merde comme ça? Regarde, gros. J'ai trop peur de la poche. Regarde, gros, regarde. Regarde. Mais vraiment, mec, regarde. On avait une bâche de 8 mètres et on a fait un truc. On a même pas assez mis assez de longueur, frère. Est-ce que tu te racontes de ça ou pas? Bon, du coup, là, on finit de remplir la petite piscine au KLM. Après, je vous reprends. Je vais aller dedans et là-haut va être gelé et on va voir si tout va bien se passer. Mais j'ai vraiment peur, je vous mens pas, que la bâche tout se casse d'un coup et que tout l'eau va partout, n'importe où là. En plus, il y a des prises électroniques partout dans mon jardin, donc bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est... Pour l'instant, mec, franchement, est-ce que tu... Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais... Oh, Anthony. Non, mais mec, ça tient plus, mec. Mec, ça fuit d'où? Mec, il y a une piscine. Mec, il y a une piscine sous la piscine, frère. Il y a une piscine sous la piscine. C'est bien ce que je me disais. Regarde, regarde-moi comment tu vas. C'est quoi? Frère, je suis saoulé là. Frère, c'est quoi? Moi je bois dans une piscine, moi, rien. Il a tout niqué. Il a la piscine, regarde. Tu réfléchis pas? Non. J'suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie, frère. T'as tout niqué là. Mec, je peux nager, regarde. Bon, on filme avec l'iPhone parce que là vraiment je vous dis, j'ai plus de batterie sur la caméra, j'ai plus d'espace de stockage. C'était une journée catastrophique, ok? Donc là j'ai appelé ma mère pour lui montrer ce que j'ai fait. Et ma mère voulait une piscine, son rêve ma mère c'est d'avoir une piscine dans le jardin. Maman! Maman! Attends, puis moi je vais dire, je t'ai réalisé ton rêve. Maman! J'ai réalisé ton rêve! J'ai réalisé ton rêve! T'as fait ta piscine? Elle s'est cassée! Ok, bon bah écoute, c'est la fin de la vidéo, mec. Bien joué, mec, on a franchement géré. Ouais, c'était une catastrophe du début à la fin. Dans l'espace commentaire, dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fabrique avec Antoine? Antoine m'a dit, ouais, je suis chaud, j'ai envie de revenir et tout. Ouais, de ouf. Qu'on fabrique un nouveau truc et tout. Moi, je vous dis juste un truc, écoutez-moi bien. J'ai envie de fabriquer une dinguerie. Je vais vous le dire, normalement, ça devait être une surprise. J'ai envie de fabriquer ça. Tu vois ce que je leur ai montré ou pas?
Non. Tu sais, la rampe qui va dans le lac. Ah, là. Oui. En gros, c'est vraiment genre, en gros, on va créer un tremplin avant un lac. Et on va mettre plein de bâches, comme vous avez vu, les bâches bleues qu'on a achetées. On va en mettre plein, on va mettre de l'eau, du savon, de l'huile et tout ça. Il faudra courir. Et là, on va se laisser comme ça. Et là, le tremplin, il va nous envoyer super haut. Dans le lac après. Dans un lac. Je vous jure, à comment like. Là, je vous explique, je pars le 8 août en vacances. Donc si vous voulez que je tourne la vidéo, avant le 8 août, il doit avoir, c'est lui qui va déterminer le combien de likes. 3000. T'es malade. Non, mon ratio de likes, je le dis comme ça, tu veux. Mon ratio de likes, c'est entre 100 et 150. Donc 1000, c'est impossible, j'en aurais 110. 110 ? Ouais. Donc s'il y a 110 likes avant le 8 août, ouais. On fait ça. Ouais, moi je suis chaud. 110 likes avant le 8 août, et on fait ce que j'en ai à vous dire. La vie de ma mère, ça va être une dinguerie. T'es vraiment chaud. Ouais, wow, je suis chaud. 110 likes, mais qu'on va les avoir, c'est sûr. Bon bah du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec Antoine pour faire ça. Ouais. Si vous voulez voir d'autres vidéos avec Antoine, on a déjà fabriqué un bateau ensemble, mm-hmm. qui l'a coulé presque. Ouais. Et on a aussi fait un parcours de domino chez moi qui était excellent. Je vous mets ces vidéos là à la fin de la vidéo. Vous savez quand il y a la musique, non, il y a les deux vidéos là. Et bah je vous les mets. Il y a les deux, je choisis entre les deux. Mais moi personnellement, ma préférée c'était le bateau. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes toujours pas abonné, c'est très important. Mettez un petit pouce bleu et surtout mettez un commentaire, c'est très important pour me soutenir au maximum. Bah, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous à son Instagram, ça lui ferait plaisir. Ouais, je pense. C'est un charo, donc allez-y. T'es masse, je... je rigole, je rigole. Bon bah écoutez, prenez soin de vous. Bisous la team. Salut. Attends, je te laisse, vas-y, dis-leur ce que tu veux. Tu veux que je leur dis souvent. Vous voyez ce qu'il y a sous sa patate? Emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents. Emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.